Hey mes diamants, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment faire une intro. Du coup voilà, donc vous aurez besoin de Pixar. Mais le problème c'est que moi j'ai pas du tout Pixar, voilà, donc, mais heureusement j'ai déjà les photos. Je vais quand même vous expliquer comment faire. Donc pour aller sur Pixar, vous l'installez, vous faites votre compte tranquillement. Vous allez sur le petit plus tout en bas. Ensuite vous allez, vous descendez tout en bas, vous prenez un espèce de truc gris. Ensuite, vous retournez vers l'accueil. Ensuite, dans la barre de recherche, vous allez écrire Roblox Girl ou Boy ou Halloween, comme vous voulez. Ensuite, vous allez aller sur KenMaster. Vous allez prendre une photo d'un nuage ou de la plage, comme vous voulez. Moi, par exemple, moi j'ai pris un truc de nuage, mais là, ça va être une intro pour Halloween. J'attends de voir une vidéo comment faire le personnage qui bouge. Du coup, voilà, moi, je sais pas comment on fait pour... faire le coucou par exemple, voilà, un truc comme ça. Du coup voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer, vous allez le mettre dans votre galerie. Ensuite vous allez sur KineMaster, donc désolée si moi j'ai pas je peux plus du tout installer Pixar, faut que j'efface trois choses très importantes pour moi, donc en gros c'est Roblox, KineMaster et Mobizen, mais ça c'est impossible. Donc ensuite ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur le petit plus juste là. Mais le problème, attendez, je vous dis après le problème c'est quoi. Et là, vous allez sur lui. Le problème, c'est qu'il y aura des photos de moi, donc je vous retrouve dès que j'ai pris la bonne image. À toutes. Finalement, ça sera pas une intro Halloween. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Calque. Ou sinon, vous allez directement dans Média, mais moi, j'aime trop aller sur Calque. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Média, mais il y a des photos de moi, donc on se retrouve après. Ensuite, vous sélectionnez la photo que vous voulez. Moi, je sais pas laquelle prendre parce que je trouve qu'elles sont déjà très très belles. Oh my god, je sais pas. Je sais pas vraiment. Je sais pas du tout. Je vais prendre elle. Voilà, donc là, vous avez juste le personnage qui est là. Vous le placez là où vous voulez, là où vous voulez. Ensuite là vous allez mettre une animation d'entrée. Non, moi je vais pas mettre une animation. Moi je vais mettre l'animation de sortie. C'est quoi ça? Non. Un réduire c'est quoi? Non. Arrondir. Non. Bon vous savez quoi, je vais pas mettre ça, je vais juste mettre une animation d'entrée je pense. Je vais juste voir si y a pas un autre. Bon tais-toi toi là-bas. Oh, vous allez mettre celui que vous voulez en gros. Voilà, donc moi je vais prendre lui. J'aime beaucoup celui-ci. Donc là il n'y a rien. Là vous avez ça, etc. Une fois que vous avez ça, vous allez écrire un petit texte. Donc ici. Ensuite vous allez écrire le nom de votre chaîne YouTube. Oula. Oula, donc moi je m'appelle Souila Gaming. Enfin, je m'appelle pas Gaming, hein, ne vous inquiétez pas, surtout. Après, vous pouvez mettre les emojis que vous souhaitez. Donc, moi par exemple, je vais prendre lui et le signe diamant et la petite fleur. Voilà, j'aime trop. Waouh, c'est déjà très beau, je trouve. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça. Je me demande comment on fait le personnage qui bouge. Enfin, genre par exemple, qui veut boire son truc. Moi, je ne sais pas du tout comment faire. Une fois que vous avez fait ça, c'est juste beau, ça. What? Ah ok. Moi je vais tout mettre hein. Ensuite ce que vous allez faire c'est qu'ici vous allez juste choisir la couleur que vous souhaitez. Moi je vais prendre un noir pour qu'on voit bien le squila. Voilà, donc ça sera à partir. Attendez, non. Grosse bêtise. Ça je vais mettre la vidéo. Bon ok, il y a un gros souci. Voilà, donc par exemple là c'est nickel. Ensuite vous allez choisir la musique que vous voulez. Donc moi j'ai dynamite, je suis trop ça va pas, c'est audio pardon, et vous mettez la musique que vous voulez. Voilà, j'ai ça. Ensuite j'ai Everglow. Ah, il se connaît vraiment. Ensuite j'ai bon ça, j'ai souhaité comme ça. Moi c'est celle-là, j'aime trop. Oh my god. Vous mettez ce que vous souhaitez hein. Moi j'ai souhaité ça, que vous du coup moi je vais prendre Harmonie hein. Elle est là. Regardez. Donc là ça va vous donner un petit truc comme ça. Mais à partir d'ici il n'y a rien, c'est normal hein. Et là vous avez ça. Voilà, c'est nickel, j'aime trop regarder la carte.
Voilà. Là, elle n'est pas vraiment bien longue. Elle n'est pas du tout longue. Vous allez exporter votre intro. Ensuite, ce que vous allez faire. Attendez, il y aura la pub, donc je ne vais pas vous montrer la pub. Hein. Donc, re, c'est bon. Donc là, maintenant, vous allez la partager sur YouTube, moi par exemple. Voilà. J'aime trop. Ensuite, vous allez écrire comment faire. Enfin, le. Non, j'ai trop bête en vrai. Nouvelle. Attendez, mais je suis trop bête. Nouvelle intro, par exemple. Nouvelle intro Roblox. Et votre intro est juste ici. Enfin, je vais pas pour l'instant la poster là maintenant parce que là, je vais de. Ouais, j'aime trop. Voilà. Donc pour l'instant, moi, je vais pas faire ça. Voilà, on va faire comme ça. Maintenant, vous avez votre petite intro. Elle est juste trop bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, oui, elle m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Attendez, faut que je vous montre une autre intro. Attendez, je vais chercher ça avec elle à toutes. Donc, rue, donc j'ai. Ah si, elle est là, attendez. J'espère que c'est pas la vidéo. Non, c'est l'intro. Voilà, elle est là. Voilà, j'aime trop en plus la musique BTS. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, oui, elle m'a vraiment plu. Même si j'avais pas Pixar encore. Je suis grave dégoûtée. Mais bon, bref. Bye mes diamants.